Donc, j'espère que on va passer du bon moment. Je vais laisser le temps arriver tranquillement, pas trop vite, aux gens qui veulent arriver sur le stream. Parce que j'ai pas encore... C'est en cours de... tout simplement de comment je pourrais dire de tout ça. Attendez, juste voir si le son est correct. Oui, ok, ça va là-dessus. Donc en gros, ce que je voulais dire, c'est que pour l'espèce d'intro ou un truc comme ça, que je lance le stream avant, qu'on puisse parler et tout ça, c'est en cours. Il y a une de mes amies qui fait de l'animation 3D, donc on est en train de lancer un mini truc là-dessus pour se concentrer sur une espèce de... comment je pourrais dire, de principe d'animation 3D avant le début du live et tout ça. Donc, c'est encore en conception. Donc, j'attends un petit peu que les gens arrivent avec cette super musique. Oui, donc voilà. Donc, on se lance sur un live. En même temps, vous pouvez me dire si jamais c'est le cas ou si c'est pas le cas de monter ou descendre le son. Oui, le jeu est en anglais. Vous allez dire, oui, Mad Bob, on est dans le monde en français. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Bonjour, Pierre Fougère. Fougère Pierre. Donc voilà, je vais attendre un petit peu encore, comme je vous dis, le petit temps de l'introduction et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé aussi à suivre la chaîne pour être sûr et certain de ne pas manquer rien. Oh, the game is in English, exactly. So I will speak in English for all the stream. Hi every Frenchies. Non, c'est une blague, je vais pas parler en anglais par notre le long. Donc, on va faire un marathon, comme qu'est-ce que j'avais parlé. Je ne sais pas, j'ai quelqu'un que je vais tenir tout ça mentalement, physiquement, je sais pas trop. Je sais que je vais m'aider avec des petites bières de temps en temps. On va voir un petit peu comment on va s'organiser. Peut-être une bière par plateau. On va voir jusqu'où que ça va se mener. Ça va peut-être mal finir cette histoire aussi. Mais bon, voyons voir. Pour le moment, je risque de aussi regarder comment je vais m'organiser. Est-ce que je fais... par exemple, Mario Party 1, Mario Party 2, Mario Party 3, et après je recommence à Mario Party 1, Mario Party 2, Mario Party 3, faire un plateau à chaque fois. Ou je fais deux plateaux par jeu. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Ça va être une grande question que je vais me poser au fur et à mesure. Oui, au fur et à mesure. Fur. C'est exactement le bon mot en plus, c'est au fur et à mesure. Donc bref, trêve de barbardage. Ça a sorti tout croche, sérieusement. Trêve de barbardage. Oui, 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 on va se lancer tout de suite dans le jeu, hein. Comme ça qu'on se lance. Et je pense que si je me trompe pas, j'ai aucune partie de sauvegarder. Donc au final, bah, j'ai pas tous les trucs. C'est quand même triste, donc ça, attendez, juste aller voir Mushroom Bank. Mushroom Shop. Dans le shop. Mad Bob complètement bourré en fin de live, ça se peut. Je pensais pas que ça l'arrive, parce que ça m'en prend quand même beaucoup, et je suis quand même quelqu'un qui est assez... c'est raisonnable dans la vie. Et là, en plus, il y a des blocs. Even block. Disappear randomly and Boo, Koopa or Bowser will appear. Ça, j'avoue que c'est quand même nice. Ah, j'avoue que j'aurais dû mieux garder pour ça, en tant que tel. Ça, ça aurait été quand même cool. Qu'on rajoute en plus de random à l'intérieur, mais bon, c'est pas extrêmement grave non plus. Ou est-ce que je peux les débloquer? On va voir dans les cheats, juste regarder vite fait. Si c'est le cas, ben, je vais en profiter, hein. Merci Mika du follow, c'est gentil là-dessus. Cheat. Bart select left minigame top right. Non, ok, il l'a pas. Je pensais que si, mais non. Donc, c'est pas si grave, on va se lancer tout de suite dans le niveau. Je pense que pour les trois jeux, je vais utiliser Yoshi, parce que Yoshi c'est le meilleur. Hein. C'est une suite logique dans tout ça, hein. On peut pas se le blairer. Yoshi étant le meilleur. Parce qu'en même temps, Yoshi, bah, c'est Yoshi, hein. Faut pas essayer de chercher un petit peu plus loin, hein. Donc on est un joueur, oui, je suis tout seul, je suis abandonné de tous. Et on va se lancer avec Yoshi, bien entendu. Et pour les autres, on va y aller avec Peach, Wario et Luigi doing nothing. C'est comme ça qu'on va y aller, on va les mettre à hard parce que... on aime les choses dures. C'était trop facile. Donc, quel niveau? Ça, je vous laisse quand même le choix de choisir. Parce que je suis gentil comme ça. Je me dis que c'est tout le temps plaisant quand je vous laisse choisir. Donc on y va avec soit DK Adventure, Jungle Adventure, Peach Birthday Cake... Yoshi Tropical Island, Wario Battle Canyon, Luigi's Engine Room et Mario Rainbow Castle. C'est les niveaux qu'on a, donc je voulais choisir. Ou je laisse la première personne se décider tout d'un coup. I found you on YouTube, your channel is fucking garbage. I hope you're as bad on Twitch. J'espère quand même. Donc comme je dis, soit le DK, soit Peach, soit Yoshi, soit Wario, soit Luigi, soit Mario. Yo William! Donc vous me dites Rainbow. Rainbow c'est le plus simple. Donc on peut quand même faire le plus simple pour commencer.
et après voir comment que ça s'enligne pour un autre niveau. Donc on y va à l'unanimité avec une personne qui dit l'unanimité, mais on peut y aller avec Rainbow. Moi je suis quand même d'accord, c'est un niveau quand même assez bien simple, pas trop compliqué non plus. On va y aller avec 50 tours, non, on y va avec 20 tours, ça va être bien assez de toute façon, parce que si on fait deux plateaux, ça va être assez. Je regarde le live, mais je viens de recevoir Animal Crossing, donc je ne parlais pas trop. Donc il n'y a eu pas de problème là-dessus. Hein. C'est juste pour montrer que t'es bien le fondateur. Je trouve ça rigolo parce qu'en même temps, c'est pas moi le fondateur. Lol. Mais c'est une suite logique. Suite logique de tout ça. C'est la première partie. Je suis prêt à dire que je vais me faire défoncer. Et de toute façon, vous pouvez toujours faire vos paris pour savoir exactement qui va gagner. C'est toujours aussi important dans tout ça. Donc... oui, on s'en fout, blablabla, tout ça, on va voir c'est qui le premier, attention... De la merde. Ah ouais, t'as tout Game Ball. Oh. Quand même, c'est un beau Game Ball. On va voir quand même, tu sais, de toute façon, il y a tout un quelqu'un qui va dire que moi je vais perdre. C'est aussi simple que ça. Salut Mémé. Donc on va voir où est la première étoile. Elle est tout le temps au même endroit parce qu'en gros ça va juste switch là-dessus. Cette musique en plus j'adore tellement. Et là je viens juste de voir que mon écran est mal seté. Ah, il va falloir que j'arrange ça en live. Mad Bob, que vas-tu faire? Arranger les choses en live? Oh là là, mais t'es un professionnel. On va arranger ça. Ça va prendre quelques secondes. Le gars est tellement concentré à faire son truc. Je sais vraiment pas pourquoi dans la ROM, il y a tout le temps ce problème avec les Mario Party. Au final, il faut tout le temps que j'arrange ça en faisant ça. Voilà. Parfait, maintenant on va tout arranger. Non, tu gagnes tout le temps ce jeu-là, marde. Non, mais ça, c'est pas vrai. Le Mario Party 1, j'ai tout le temps de la difficulté parce que Mario Party 1, c'est celui qui brise toutes les amitiés qui existent au monde. Parce que il y a tellement de mini-jeux que tu donnes des pièces à l'autre, il y a tellement des mini-jeux que tu voles l'argent à l'autre ou des trucs comme ça, c'est un truc de fou. Oui, ça c'est juste récolter l'argent. Ça reste quand même assez simple là-dessus. Hein. Hammer drop comme hammer down. Pip pip. Ok, c'est pris littéralement. Je sais pas si on tombe, si on est mort à l'infini ou si on peut ressusciter. Ah oui, j'ai manqué la pièce. Le sac d'argent. Non. Ok, là, je suis vraiment dans la merde en plus. Je me pose vraiment la question si on tombe, c'est quoi qui arrive. J'ai envie de tester, mais en même temps, non. Ok, lance des marteaux. Lance un autre sac. S'il te plaît, lance un sac. Lance ce sac. Non. S'il te plaît. De toute manière, le meilleur Mario Party, c'est le 6. Perso aussi, j'ai un attachement pour le 6 et le 7. C'est pas mal les ceux que j'adore le plus. J'ai récolté deux pièces. C'était juste parfait. J'étais sûr certain que j'avais récolté au moins un sac d'argent, mais finalement, non. Vraiment pas. Ok. Je suis dernier, hein. Ça se passe très bien. Bon, merci, s'il te plaît, un champignon. Ok, je sens que ça va être de la merde. Je sens que je vais vraiment rager. Ça va prendre 2 secondes, je vais arrêter de jouer. Aussi simple que ça. Non, je te casse pas. Quel talent. Et oui, quel talent digne des plus grands. Le 6 c'est ces mini-jeux, le gameplay, le 7, le mode solo et les maps. J'avoue que le mode solo du 7 était quand même cool. Le 3 quand même j'ai un attachement aussi sur, mettons, on y va de différentes consoles et tout ça. Là j'aurais pu faire quand même de skipper les bots. Est-ce qu'il va réussir à trouver la carapace? Ah ben non, il l'a pas trouvé. La fleur de feu, oui. Est-ce que tu vas la trouver? On a un champignon, non, le champignon, non. Qu'est-ce que tu fais? Ok, en bas à gauche. Oui. Bravo. Maintenant, tu t'en vas vers où? Carapace en bas. Non, c'est pas là. Mais con, il fait exprès. J'aime bien la DS, celui sur DS, mais j'ai cassé mon écran tactile. J'avoue que c'était pas pratique parce qu'il y a beaucoup de mini-jeux qu'il fallait que tu tournes ou tu spins, des trucs comme ça, puis c'est le genre de mini-jeu que tu détruis complètement ton, ta console. Et là, je pense qu'il va l'avoir. Est-ce qu'il va l'avoir? Attention! Il a eu à zéro. Il a eu à zéro. Exactement à zéro, il l'a eu. Ok.
Je pense que Wario il a voulu mettre du suspense dans le match. Il s'est dit, ouais, il y a pas assez de compétition, il manque quelque chose. Il s'est dit, je vais rajouter un petit peu de talent. Hein. Alors là, je vais juste voir. Minigame setting, je vais voir les explications. On va sauvegarder tous les tours au cas qu'il arrive quelque chose. On va y aller fast. Ah, on est obligé de voir les computers dans celui-là. Ok, c'est pas si grave. Hein. Je pensais qu'on pouvait le skip, mais finalement non. Et là, c'est le retour encore des Kleenex. Et là, il m'en reste quasiment plus. Ça veut dire que j'en ai beaucoup utilisé hier. Oh là là, madame, qu'est-ce que t'es en train de nous expliquer? Treasure Diver, ça me dit quelque chose. C'est pas le truc, faut que tu descends complètement en bas, puis faut que t'ailles chercher les trésors. Exactement! C'est exactement ça. Ça, c'est un mini-jeu de boss. Faut que tu plonges dans l'eau pour aller chercher les coffres, mais il faut pas que tu te noies non plus. Très important. Alors, en plus, fallait qu'il y ait le... S'il te plaît. Bon, il a échappé au moins son coffre. Allez... non, ça, je passe pas. Voilà, et de 1, on va aller prendre celui-là, même si c'est pas le plus gros, mais on va prendre peut-être le plus petit après. On va speedrunner les petits coffres. Non! Voir que je l'ai surtouché. Là, qu'est-ce qui est drôle, c'est que tu peux t'amuser à bloquer les autres. En gros, les pousser. Non! Ah! C'est moi qui ai pris le coffre. Là, ils vont tous essayer de me courir après pour essayer de me pousser. Non, mais vous pensez que je vais l'échapper, mon coffre? Jamais. Jamais échapper mon coffre. Alors, prêt à faire chanter les 7 sirènes en mai? En mai? Ça a été annoncé finalement en mai? Et salut Lunatic Paper Mario. Ah, pas ça. Je sais pas, j'ai récolté combien de pièces, mais bon montant. On va dire que c'était cool. On va dire qu'on a eu un bon montant. Je sais pas exactement combien qu'on a eu, mais